focus. L'endurance. Dix-neuf-sept-quatre, c'est pour l'instant la combi gagnant. Donc on va voir. Alors lui, il est force. Force tendue et agilité. C'est vrai d'être un mec du blocage. Ah merde, c'est un berserk. Ça va casser des culs, ça. Et le tésor. Par contre, il perd masse énergie, quoi. Par contre, voilà les coups qu'il me met. Ok, salut. J'arrive à avancer, ouais. Vous êtes officiellement champion du monde. Ah ! La victoire, il faut fêter ça. Bien sûr, Ordine. Mais pour être honnête, tout ceci n'avait qu'un seul but. Je vais voir le vieux Mick. Station, il ne reste plus qu'à attendre l'invitation. Ah. Je suis prêt à affronter l'homme noir. J'en ai fait du chemin. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir avoir ma famille à mes côtés à un tel moment. Enfin, moi, je vais pouvoir retourner dans la maison où j'ai passé mon enfance. Tu as su prouver que tu es un grand guerrier. Es-tu prêt pour l'épreuve finale? Je t'apporte l'invitation. J'accepte votre invitation. C'est un ninja? Ah ouais, carrément. Bienvenue sur mon île. Voici sa dernière étape avant de pouvoir affronter l'homme en noir. Putain, on dirait un dresseur de Pokémon, lui. Je me suis dit, putain, pourquoi il a une Pokéball dans sa main, mais non. Il ne peut rester qu'un. Ah. Ah, on va se battre contre notre frère, non? Ce sera moi. Ah, il y a le mec de Mortal Kombat. C'est vrai que le combat commence. Ouais, passe-t-on. Brother. Allez. Faut juste pas qu'on se prenne trop de coups. Aïe, aïe. Esquive, esquive. Esquive. Oh. Ouais, bah putain. Vous êtes tous des authentiques guerriers. Je suis le véritable champion et vous m'appartenez. Tout ça n'a d'importance. Vous avez tué notre père et l'heure de la vengeance a sonné. Vengeance, oui, mais avant cela, laisse-moi te raconter une histoire. C'était une fois deux frères que leur père aimait plus que tout. C'était scripté en fait. Un jour, leur père décida de leur offrir à chacun une moitié d'un puissant médaillon. Et les deux moitiés du médaillon se mirent à fonctionner différemment. L'une d'elles avait été corrompue. Cependant, personne ne s'en est aperçu. Les parents des frères étaient aussi puissants l'un que l'autre. Au fil des années, il devint évident que l'un des frères était en train de devenir de plus en plus fort. Petit à petit, toute trace de volonté se mit à disparaître de son cœur. Et même où il perdit son dernier fragment d'humanité. Ah, c'est notre frère. L'assassinat de son frère s'empara de l'autre moitié du médaillon. T'es tout entière, t'es désormais à ses pieds. Et l'entreprise de la détruire. Ah, mais non, mais ça, c'est un truc qui était passé dans le passé, loin. J'espère que les amis de son père s'unirent alors pour tenter de l'arrêter. Après un terrible combat, ils parvinrent finalement à le vaincre. Il avait tout perdu, ses deux fils, tous ses amis, sa cité. Il ne restait plus que le médaillon. C'est alors de détruire afin de tout réparer. C'est que tu refuseras toujours de m'écouter, d'avoir le seul choix qui te reste. Ah! Ah! Je suis ton père! Ah! J'ai gagné. Ok. Alors autant vous dire, j'ai pas spécialement compris grand chose de la fin, mais...